Lors de cette rencontre le 12 juin entre les deux diplomates, Donald Trump s'est laissé emporter par son caractère qu'on lui connaît. Alors que les photographes mitraillaient la conférence de presse, ce dernier a fait une blague. Mais elle n'a pas vraiment fait son effet. Ce moment de solitude a été pris en vidéo. Prenez-vous des jolies photos de nous, pour que nous ayons l'air charmants, géniaux et minces, lance-t-il soudainement aux photographes. Certains d'entre eux acquiescent et lui répondent brillamment. Cependant, la tête du leader coréen en dit long, sur le level de sa remarque. À savoir que de nombreux enjeux encadraient cette rencontre. Pendant un long entretien, Donald Trump a surtout souligné l'importance de la dénucléarisation totale du pays asiatique à son homologue. Nous avons signé un document global, très exhaustif, a précisé l'homme le plus puissant de la planète, comme le rapportent nos confrères du Monde. Et je pense que ce document nous mènera à la dénucléarisation. Je pense qu'il va engager le processus tout de suite, dès qu'il va atterrir en Corée du Nord. Je remercie Kim d'avoir pris le premier pas courageux vers un avenir radieux pour son peuple. Le conflit d'hier ne doit pas être celui de demain, les adversaires d'hier peuvent devenir nos amis. N'importe qui peut faire la guerre, mais il faut être courageux pour faire la paix. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Mais c'est finalement la séance photo des journalistes accrédités à l'événement qui a retenu l'attention des confrères américains Mauti. Il dévoile une vidéo où l'on voit le chef de l'État américain demander si le rendu des photos était assez correct. Le sourire en coin, il précise notamment qu'il souhaite avoir un rendu où les deux hommes paraissent mis en somme en traduction. Charmant, géniaux et mince. Une remarque qui aurait pu être mal interprétée par Kim Jong-un, qui dispose d'une corpulence assez imposante. La vidéo est tout simplement croustillante et hilarante, enjouite. Kim Jong-un, 9 subs.